Hello tout le monde, et CPH, excusez-moi pour le stack.ca. C'est ça, être multitask hein, quand on fait plusieurs choses en même temps. Alors salut Félix. Alors bienvenue sur ce break numéro 36 de 6 belles boîtes Special Diamond. Et par spécial diamant, qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous avons 6 belles boîtes ici. 2 Clear Cotton Black Diamond 2021, 2 Série 1 1920 et une Black Diamond 2005-2006. Oh que oui, messieurs et mesdames. Mesdames et messieurs, plutôt devrais-je dire, c'est plus poli. que je suis pas poli ce soir. Salut Félix et salut Jérémy, vous avez le même nom de famille. Êtes-vous frère? En fait, j'ai aucune idée si c'est vrai. Si vous êtes frère, je l'apprends, je suis surpris. Alors voilà, juste replacer ma petite caméra là. J'ai bougé un peu tout à l'heure. Alors voilà. Ben oui, on est présentement en direct pour le break numéro 36. Celui-ci est un peu spécial puisque nous vous offrons une rare boîte de 2005-2006. C'est très très rare à voir. Alors c'est un événement en soi. Faut se l'avouer. Salut Vincent. Salut. Je sais pas si c'est un ou l'autre qui est à l'endroit. Je me rappelle pas parce que je crois avoir vu quelqu'un qui a fait des achats avec ton nom. Je sais pas si c'est l'inverse. Bref, salut Vincent ou Vincent ou Stéphane, un ou l'autre. Ou peut-être que c'est un compte pour vous deux, je le sais pas, mais bienvenue. Très content que tu sois là. oui, en direct de Twitch, Kev. Oui, la belle petite musique d'ascenseur. On met ça pour vous faire patienter un peu parce que le show est vraiment en ce moment pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et je ne vous ferai pas languir tant que ça, juste vous faire apparaître la liste ici. J'ai juste besoin de mon petit truc. Voilà. Alors, la liste de nos 31 équipes. Ok, parfait. Merci. Festival des cartes coiffées. Collé. Ah, oh oui. Ça, ben, je suis pas si sûr. On sait pas. Black Diamond, ils ont comme un fini un peu lisse. Hein? Ils sont pas nécessairement, glossy, là, comme les Young Guns. Là. Ils sont plus lisses. Fait que peut-être ça colle pas. On verra. On a des anciens souvenirs avec le Fleer Showcase 2013-2014. Quand on ouvrait ça, les cartes étaient pas collées. Ils étaient imbriqués une dans l'autre. C'était quelque chose. C'était quelque chose à voir. Juste un petit rappel, des fois on a des nouveaux spectateurs, j'allais dire téléspectateurs, rares sont ceux probablement qui me mettent sur leur TV, mais hein, ça tombe jamais. Mais pour les spectateurs et spectatrices, faire un léger rappel, très rapide, on a des boîtes en commun, tout le monde paie un montant identique. 31 places, 31 équipes pour chacune de la Ligue nationale de hockey. Si c'était au baseball, ce serait 30, au football, 32. Tout à fait logique. Chaque personne se voit attribuer une équipe par le biais d'un brassage selon le site random.org. Alors, les équipes à gauche feront l'objet de 3 brassages. Les participants et participantes également, 3 brassages. Et nous associons les deux listes et vous avez cette équipe. Ensuite, on ouvre toutes les boîtes et à chaque carte de votre équipe. Ben, vous la récoltez, on vous l'envoie par la poste. En général, on a un délai de 24 à 48 heures. C'est parti. Le délai de livraison, ça, malheureusement, je peux pas vous le prévoir parce que Post Canada est pas très... pas qu'ils sont pas fiables, c'est pas vrai. Ils sont très fiables, mais ils sont pas standards. Fait qu'ils garantissent pas les délais de livraison.
Yes, sir, mon François. Écoutez, je tiens quand même à vous la montrer avant. François vous souhaite la bonne chance. Et je le répète, la personne qui aura ici l'opportunité d'avoir les Pingouins de Pittsburgh, bien, aura peut-être l'occasion d'avoir une belle Sidney Crosby rookie. La personne qui aura Washington. Il pourra avoir, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas sa boîte. Il n'est pas sa boîte lui non plus. C'est Joe Thornton. Ton préféré, mon Kev. En plus, dans l'uniforme que tu préfères. Ben, t'es gâté. Alors, oui, Alex Ovechkin est également présent dans cette boîte. Oui. Mais dans celle-ci, je ne le sais pas. Mais oui, Washington. Tout à fait. Crosby, pour Pittsburgh. Washington, Ovechkin. Il y a quand même plusieurs joueurs recrues de cette année qu'on penserait pas. En effet, Ovi. Et il y a Henrik Lundqvist avec les Rangers de mémoire. C'est-tu Duncan Keith? Il y a un gars à Chicago. J'ai un blanc. Brent Seabrook, peut-être. On va aller le découvrir. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai plus la checklist par cœur, mais les deux plus gros noms qu'on sait assurément, c'est Crosby et Ovechkin. Alors, les deux personnes qui iront. Ah, c'est ça, Carter. Et il doit y avoir aussi l'autre de Philadelphie, là. Ouais, celui-là, c'est lui qui s'est fait prendre avec de la drogue, là. Il y a Jeff Carter et Mike Richards, je crois aussi, dans cette année-là. Ryan Getzlaf, très fort, probablement aussi. Alors, Dion Phaneuf. Perry, Corey Perry. Oh, Corey Perry. Fait que la personne que les Ducks d'Anaheim, on ne sait jamais, hein, Corey Perry est recrue. Peut-être le Canadien maintenant. Qui sait, qui sait? Pour le Canadien, ça, par contre, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette année-là? Perezogin? Non, c'était avant ça, lui, Perezogin. J'ai vraiment un petit blanc de mémoire sur le Canadien, là. Je sais qu'il y avait un joueur, un ou deux joueurs, là, mais je ne mettrais pas ma casquette préférée au feu. Puis c'est pas celle-là. Mais. On y va. Alors, tout le monde, je vous souhaite la plus grande des chances pour le choix de l'équipe. Plekanec. Non, il y a... Non, Plekanec, si je ne me trompe pas, Plekanec c'était recru plus tard que ça. Mais il y a quelqu'un du Canadien, je suis certain. Ça va me revenir en faisant le tour, là. Je sais qu'il y a du Sakou Koivu, par exemple. Il y a beaucoup de Sakou Koivu dans le Black Diamond 2005-2006. Fait que le Canadien, peut-être, aura une carte de Sakou Koivu. Il y a des jerseys de Sakou Koivu et... Sakou Koivu. Alors, ben, je vous laisse quelques instants. Oui, Carey Price, c'est plus en 2007-2008, la même année que Patrick Kane. Alors, je vous laisse avec le site random.org. Je vous répète encore une fois un grand merci, toujours apprécié de voir vos encouragements pour venir participer à nos breaks. On veut vous en offrir le plus possible, le plus souvent. Et à votre goût, alors n'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit qu'on pourrait faire pour vous satisfaire. Ben, on y va, on y va. Ça sera avec un grand plaisir. Alors juste recliquer ici parce que ça a l'air que je me fais jouer encore un petit tour. On va cliquer ici et on va faire ce bouton-là. Ouais, on reclique là et ça va bien, ça va bien. Et il s'en vient ici et on pèse sur le bouton juste là. Alors, ça devrait fonctionner. Désolé, désolé, control panel. On y va. Et là, ça devrait être très bon. Alors, juste peser sur un bouton, je le ramène, je le renlève et on pèse ici sur le fameux bouton. Souhaitons que maintenant, ça ne sera pas juste André Costitine. Ah, bon boy, Mr. Costitine. Oh! Alors là, la machine a décidé ce soir de me faire des. De me faire un peu peur. C'est Perezogin ou Costitine? C'est quoi, j'ai dit d'autre? Là, la machine. La machine, elle opère pas. Ah! Wow! André Costitine. Alors, je vais faire un test. Julien? Alors, salut Julien. Perezoguine ou Costitine qui est là? Ou les deux, peut-être. Alors, je vais faire un test. Ah, bon, c'est parti, tout le monde. Wouhou! Hey, on y va. Alors, l'assignation.
Pérezoguine. Ben merci mon Kev, merci beaucoup. Mais il me semble que le Costitine, c'est pas très loin non plus dans cette période-là. Alors, bonne chance, là c'est vraiment fait pour le premier tour de la Floride à Winnipeg. Deuxième tour ici de Buffalo à San Jose. Et on termine avec le troisième tour de Boston à Los Angeles. Maintenant, le tour de nos participants et participantes. C'est parti, le premier tour de Carl à Carl. Pour le deuxième tour, validation de Carl à Carl, encore une fois. C'est bien que il y a quelques Carl. C'est le même, mais plusieurs fois dans la même participation. Et on a une variante de Carl à Stéphane. Et c'est parti, on va faire juste une petite validation. On va voir si Florence se sacrifie. Et allons voir donc Corey Perry pour Carl, peut-être, sait-on jamais. On a Boston pour Carl. Buffalo qui pourrait être intéressant dans les années un peu plus récentes pour Jonathan. On a les autres équipes, hein, c'est pas que elles sont pas bonnes, je vais juste passer très brièvement. Les Blackhawks pour Mathieu, qui est très bon. Colorado pour Kevin. On a Dallas, qui frappe toujours en 2020-21 aussi, pour Kevin. Les Oilers, Alexandre, c'est très bon pour toi, ça, les Oilers, mon Dieu. Minnesota pour Carl, en 2021 ici, ça pourrait être très bon. Canadiens de Montréal, c'est pour Caroline. Les Rangers, on a les Rangers pour Samy. Black Diamond, ça va être excellent. Ottawa pour Carl en 2021. Pittsburgh à Kevin. Les Sharks à Carl. J'aime toujours dire pour les Sharks, je suis désolé. Kevin pour Toronto. Vancouver à Carl. On a Marc-André pour les Capitals de Washington. Donc, moi je pense que it's a go. On y va. Alors, voici nos petites boîtes qui ont l'air d'un montage de roches du Nunavut. Parenthèse, j'aimerais un jour aller au Nunavut, pour vrai. Ils disent qu'il fait froid, mais je suis sûr que c'est quand même intéressant. Une petite région intéressante à visiter, non pas pour faire du gros shopping ou quoi que ce soit. Ça doit être juste quand même tranquille comme zone. Frais, mais tranquille. Les Kings, ouais, les Kings, quand même intéressant les Kings malgré tout, j'essaie de me faire un peu rassurant, mais il y a quand même des choses très intéressantes avec les Kings. Hey, toi, ris pas mon Kev. Alors, on va y aller dans un certain ordre ici, je suis pas sûr qu'on va aller avec le Black Diamond en premier, hein? On va peut-être garder ça pour la fin, alors allons-y tout de suite avec une série 1, 19-20. Alors voilà. C'était pas ça là. Il y avait eu un 25 cents qui s'était fait faire là au Canada. Il y avait comme des roches là, comme ça, qui étaient empilées une sur l'autre. Puis ça ressemblait. Il me semblait que c'était une pièce commémorative pour l'arrivée du Nunavut dans les territoires au Canada. Bref, ma tête des fois fait des drôles de choses. Je fais des liens avec tout ce que je vois. Alors, souhaitons que ma tête fasse des liens avec des grosses boîtes, des grosses cartes pour vous. Et non pas des cartes oversize, mais des belles cartes. Des cartes de bonne valeur. Je vous souhaite la plus grande des chances. Vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment. Je suis là pour vous répondre. Je suis votre serviteur ce soir. Mes mains sont toutes à votre disposition. Hey, Jonathan Quick pour les Kings. Désolé. Alors, on y va avec notre premier paquet et c'est une carte pour le Canadien de Montréal, Pure Energy, Max Domi. Alors, Max Domi. Ah, tu vois, les cartes collées, c'est la 19-20 à date. On a une première Young Gun ici. Hey, c'est Ryan Pelling. On va se le permettre. Pourquoi on se le permettrait pas? Déjà, hein, dans les premiers paquets, allons-y! Ben oui! Pour le Canadien de Montréal, Ryan Pelling. On met de l'animation, d'acclamation, s'il vous plaît, tout le monde, pour le Canadien de Montréal qui a la première Young Gun ce soir.
Brian Pelligny. Ce n'est pas Pérez Algérie. Une chance. Nous, pas ce qu'il tient. Mais c'est Ryan Pelligny. Ok. Ce n'est pas une variante française. Non, je pense pas qu'il y en avait dans cette année-là. Le pire, c'est que je sais pas pourquoi j'ai comme un doute. Pas se poser, parce qu'en 1920, il n'y avait pas de variante française de mémoire. Je m'excuse. Mais on rit, mais peut-être que tantôt, on va avoir une clear cut ou une exclusive ou une high gloss. On sait jamais. Oui, avec ces boîtes-là, on a toujours des belles surprises. Canvas, Andreas Athanasiou pour les Red Wings de Détroit. Athanasiou. Ok, merci. J'ai comme eu un doute. Je sais qu'on en a. Il y en a pas dans cette année-là, mais il y a des variations possibles. Je me rappelle juste plus du tout qui fait partie des variations. Donc, je revalide toujours à la fin de chaque break. Ici, on a une Andrei Svechnikov. Generation Next, ouais, ou Next Generation, un ou l'autre, pour la Caroline, Andrei Svechnikov. Pour tous ceux qui s'imaginent que j'ai un ami imaginaire et que je parle avec quelqu'un dans ma tête, non, je suis sur plusieurs plateformes en même temps. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les breaks de Stack.ca à tout moment sur Facebook, sur la page, sur notre groupe privé. Et Stack Live, Card Breaks, Hobby Boxes and More. On est sur YouTube et c'est à ce moment-là que Stéphane intervient. Stéphane me parle en direct de YouTube. Et nous avons également LinkedIn, Twitch et... Là, j'ai toujours un blanc de Breakers TV, exactement. Philip Myers, UD Portraits, Rookie. Philip Myers. Mais non, je parle pas seul, j'ai de la compagnie. J'aime ça quand on est plusieurs, même si c'est pas toujours les gens qui participent. J'adore ça, de l'interaction. Alors, notre prochaine carte sera une Young Gun ici, et c'est Martin Fervary. C'est aussi le nom du joueur que vous prononcez quand vous croyez parler une autre langue avec un peu de boisson dans le système. Martin Fervary. Sans blague, il faut dire Fervary. Et là, mes sleeves, allez, ne sont pas coopératrices. Allons-y. Et voilà. Alors, Martin Fervary, Young Guns pour les Capitals. De Washington. Pour Washington, donc déjà pour Marc-André. Caps de Washington, Martin Fervary. On va mettre ça juste ici. 200 points au Scrabble. Et si en plus tu l'épelles comme il faut, t'as des points bonus. Parce que de placer le H, le E et le R au bon endroit, ça tient un peu du miracle. Tyler Seguin, je pense qu'il faisait un retour au jeu lui cette semaine. Quand même bien tombé, Marc-André. Très bien tombé. Alors ici, Pure Energy, Tyler Seguin. Je te rappelle que tu es bien tombé sur Washington. Et par Washington, il y a un certain joueur quand même intéressant qui s'appelle Alexander Ovechkin. Et nous avons une boîte de Black Diamond 2005-2006. Et devinez en même temps qui était une recrue à cette époque. Et je te laisse deviner que Ovechkin l'était. Ah oui, je crois que tu es bien tombé. Hey, un petit gars ici de la région de Repentigny. Brandon Gignac pour les Devils. Marc-André, est-ce que c'est un dépêche-toi ou let's go pour du plaisir? Ceux qui sont pas au courant, en attendant deux secondes, Young Gun de Brandon Gignac ici pour les Devils. Du New Jersey. Tout de suite après ce break, notre cher ami Mad3M, que j'ai rebaptisé. Ça fait pas très francophone, sinon ça fait Mad3M. On dirait qu'il travaille pour l'usine de 3M. Mais bref, Marc-André sera là après le break pour un personal box. On vous en fait la surprise. Samuel Girard Canvas pour le Colorado. Alors Marc-André
va patienter jusqu'après le break. J'aurais tendance à vouloir le faire pendant le break à la fin, mais je vais devoir raccrocher et repartir une vidéo. Fait que Connor McDavid pour les Oilers d'Edmonton, c'est une insert 30e anniversaire. Une des 10 à l'effigie de Connor McDavid. Il y en a 10 autres de Wayne Gretzky et 10 autres de Patrick Roy. J'allais dire du Canadien, mais non, parce qu'il y en a aussi avec l'Avalanche. Prochaine carte ici, on y va avec Carey Price, parlant du loup. Ben non, c'est pas le loup, c'est pas Patrick Roy. Alors, Carey Price Portraits pour le Canadien de Montréal. Mais fais-toi-en pas, mon Marc-André, je fais le plus vite que je peux, mais je m'assure de m'appliquer le mieux que je peux également. Pour les Stars de Dallas, Joël L'Espérance. Une petite boîte avec plusieurs joueurs à connotation francophone, puisque Joël L'Espérance n'est pas un Québécois. S'il l'est, du moins, il n'est pas écrit sur sa carte. Ou il est né là-bas avec le nom L'Espérance. Un peu comme les deux joueuses des États-Unis au hockey féminin, que j'oublie toujours leur nom. Alors, Young Gun pour les Stars de Dallas, Joël L'Espérance. Comment qu'elle s'appelle? Ils ont un nom à résonance québécois, là. Ben, pas québécois, mais du moins francophone. Parce qu'il y a d'autres endroits au Canada avec, ou même au monde. Et pour les Kings de Los Angeles, nous avons une UD Game Jersey, Hanzi Kopitar. Hanzi Kopitar. Alors, une Game Jersey de Kopitar. Pour les Kings, voilà, Kopitar. Une belle jersey. Je pense que depuis 1920, il y a putain de degrés de rareté dans les jerseys. Avant ça, il y avait des groupes A, B, C, D, E, F, G. Même, je pense, j'ai vu H. Puis, il était vraiment répertorié par certaines raretés. On a une Shooting Stars pour les Maple Leafs de Toronto. Austin Matthews. Matthews, Shooting Stars, et c'est un centre, bien sûr. Il y a, dans les Shooting Stars, il y a les rouges et les bleus, et ils sont séparés par position. Left wing, right wing, center, defenseman et goalie, dépendant aussi du produit que vous ouvrez. Pure Energy pour l'Arizona. Clayton Keller, Pure Energy. Voilà, un paquet à la fois. Ceux qui sont des fanatiques des Simpsons pourraient comprendre lorsque je veux dire je les ouvre parce que je les aime. C'est la même chose. Et on y va avec la prochaine carte qui est une canvas de John Tavares avec la mascotte pour les Maple Leafs de Toronto. John Tavares. La belle mascotte. J'ai entendu quelque chose d'assez hilarant aujourd'hui à télé. Ça pourrait, mon Stéphane, tu pourrais. Il y en a avec les Kings, j'en suis pas mal certain. J'ai entendu quelque chose de vraiment cocasse, et là, je ne ris pas de ceux qui sont des fans des Maple Leafs de Toronto, mais paraîtrait-il qu'un tatou de quelqu'un se serait fait faire, donnerait la Coupe Stanley aux Maple Leafs de Toronto. Bon. Est-ce vrai? Drôle, mais pas tant drôle à la fois. Alors, on a une Young Gun ici qui devrait faire partie d'un random, sauf si elle appartient à la même personne. Alors, le New Jersey, c'est Carl. Et Vancouver, c'est Carl. Alors, à moins que tu veuilles te battre avec toi-même, mon Carl, je ne ferai pas de random. Elle sera à toi d'une façon ou d'une autre. Alors, Jack Hughes et Quinn Hughes, les frères. Hey, avez-vous déjà remarqué en passant? Moi, je viens juste. Jack Hughes, c'est 86. Quinn Hughes, c'est 43. 43 x 2, ça fait 46. Mystère. Oh! J'avais jamais découvert ça. Est-ce que Quinn se prend pour la moitié de son frère? Mystère. Alors, voilà. Pour Carl, j'allais dire. J'aurais dit un random normalement, mais Carl possède bien les deux équipes. Si jamais il y a une raison qui te porte à croire, mon Carl,
que la carte devrait être en random, ben, fais-le-moi savoir. Ici, on a une UD Portrait de Patrick Kane. Patrick Kane, Portraits pour les Blackhawks. C'est plus le principe de quelqu'un qui prédit l'avenir dans un tatou que la Coupe Stanley irait aux Leafs en 2020-21. Premièrement, j'ai rien contre des gens qui prennent pour des équipes un peu différentes, disons-le comme ça. Alors, Wayne Gretzky avec les Oilers d'Edmonton, ce n'est pas une buyback, malheureusement. C'est une série Hensert pour les Oilers d'Edmonton. Alors, Wayne Gretzky, ici, pour les Oilers. Et nous avons une AUD exclusive pour les Hurricanes. C'est plus le fait qu'ils ont vraiment pris le temps de faire une nouvelle à la télé en disant un tatou de quelqu'un prédisait la Coupe Stanley, puis que ils prennent du temps pour en parler. Je pourrais même faire un tatou disant que les les Penguins de Pittsburgh vont gagner la Coupe en 2032, puis... Hein? Alors, UD exclusive ici de Nino Niederreiter, numéroté sur 100 pour les Hurricanes. On va la mettre ici. C'est quand même une UD exclusive. Ça aurait été le fun que ce soit une Young Gun, par contre. Alors, malheureusement... Ben, pas malheureusement. C'est bien. Félicitations à la personne qui a les Hurricanes, qui est Kevin. Mais, ça aurait été quand même plus intéressant si pour les Hurricanes, ça avait été une Young Gun. On s'entend. Prochaine carte ici, Brad Marchand pour les Bruins de Boston. Pure Energy pour les Bruins. Prochain paquet. On y va avec une Young Gun Canvas. Trent Frederick pour les Bruins. Est-ce que celle-là... Non, celle-là c'est une grosse livre. Alors, Young Gun Canvas pour les Bruins. Et je tiens à vous le montrer, le coin n'est pas super. Il est légèrement, là. C'est pas facile à voir. Je sais pas si on va mieux le voir ici. Non, on le verra pas, là. Le coin est pas parfait. Il est pas... C'est pas un coin blanc. Ben oui, il est blanc, là, parce que le coin est vraiment blanc. Mais c'est un peu comme si ça l'avait kinké un peu. Je m'excuse. Pour les Bruins de Boston, Trent Frederick. En fait, elle vient du paquet comme ça. Là. Je l'ai pas kinké moi-même. Mais je préfère en aviser le propriétaire des Bruins, qui est Carl. Alors, Trent Frederick, Young Gun Canvas. Elle a un léger coin, pas parfait. Alors... J'aime pas ça. Mais bon. Si jamais on peut faire quoi que ce soit, je te promets qu'on pourra essayer. On a une Young Gun ici de Mario Ferraro. Et c'est pour les Sharks. Les Sharks de San Jose. Ferraro. Pour les Sharks. Ici. Bravo, Young Gun pour les Sharks, Mario Ferraro. Mickaël. Mike et Mickaël. Bonjour, bonjour. La prochaine carte du prochain paquet ici est une UD Portrait de Matthew Barzal pour les Islanders de New York. Et dernier paquet de notre première boîte. Oui! Mathieu, t'as 100% raison, j'en veux aussi, allons-y. Et ça ne sera pas pour ce paquet, malheureusement. Brady Tkachuk, Generation Next, pour les Sénateurs d'Ottawa, ou Next Generation. C'est Generation Next, exactement, c'est GN. Alors, pour les Sénateurs d'Ottawa. Prochaine boîte. Allez, là. Celle-là. Écoute, on est concept, hein, il y a Sidney Crosby sur le dessus de la boîte. Alors, on y va avec notre publicité aux poubelles. Mais pas la nôtre, mais celle du paquet ici. Alors voilà, boîte vide. J'ai envie d'activer une chanson, une sirène. Allons-y. Attendez,
Donnez-moi un instant. Ben, ça ici. Parfait. Alors, on y va. Prochain poker. Je suis très d'accord avec ce que Mathieu inscrit ici. Il nous écrit spécifiquement, on veut des gros hits. Je veux pas me faire prendre hors contexte et j'ai bien dit H-I-T-S. Pure Energy, Austin Matthews pour les Maple Leafs. Je tiens à le préciser pour pas me faire reprocher des choses que je n'ai pas dites. Prochain paquet. Allez. Donc, le premier, c'était juste un paquet de réchauffement, là. Le prochain est un petit peu collé, lui, ici. On a une Young Gun, ici, de Vitali Abramov pour les Sénateurs d'Ottawa. Vitali Abramov. Alors, viens ici, Vitali. Mon Dieu, j'ai quelque chose qui vient de me passer en tête. Je peux pas croire que je vais le dire. Des gens peut-être de ma génération dans la mi à fin trentaine, début quarantaine vont probablement savoir de quoi je parle, mais Vitali, là, ça me fait penser à Vitali et reste en vie. Qu'est-ce qu'il y a la main au pays? Alors Vitali Abramov, Young Gun pour les Sénateurs d'Ottawa. On va se motiver un petit peu là, hein? On va mettre quelque chose sur le podium là. On est dû là, je vais remplacer ce qu'il y a là par quelque chose de plus gros, de meilleur là. Let's go! On a une canvas ici de Vladimir Tarasenko pour les Blues de Saint-Louis. Vladimir Tarasenko. Prochain paca. Hey, ma chaise, je sais pas pourquoi elle a décidé qu'elle roulait toute seule. Voilà, pour Washington, Jakub Vrana, Generation Next. Pour Washington, Jakub Vrana. Lui, quand il est apparu, en, je pense bien que c'était en 16-17, dans le SPA, dans les updates Young Gun. On s'attendait à pas grand-chose, finalement. Il a quand même été, il a quand même pas si mal. C'est très bien ça ici pour Vancouver. On va se livrer ça quand même pour Vancouver. Quinn Hughes, Yuli Portraits. Donc, The Quinn Hughes, Yuli Portraits Rookie, pour les Canucks, Quinn Hughes, le frère de Jack. Jack Power. Alors, prochain paca. Et on a une Young Gun ici, de Joachim Nygaard, pour les Oilers d'Edmonton. Joachim Nygaard. Ce cher Joachim. Voilà pour les Oilers d'Edmonton d'Alexandre. Bien discret, mon Alexandre. Voilà, Joachim Nygaard. On continue. Ah, paquet lousse. Ben, pas lousse, mais je veux dire, au moins pas collé. Pure Energy, Brent Burns pour les Sharks de San Jose. Pure Energy. Allez là, je veux que la magie de Mathieu opère là. Il a calé des gros hits, on veut des gros hits. On y va avec une Young Gun ici de Rudolph Balcers pour les Sénateurs d'Ottawa. Et lui, Rudolph Balcers pour les Sénateurs. Voilà. Alors, Young Gun pour les Sénateurs d'Ottawa de Rudolph Balcers. Il va aller rejoindre son cher ami Vitali Abramov. Prochain paquet. Allons-y, s'il vous plaît. On veut quelque chose. On a une canvas de Beau Horvat pour Vancouver. Alors, une canvas, Beau Horvat. On dirait que chaque sport a besoin de son Beau. Au baseball, on a Beau Bichette. Au hockey, Beau Horvat. Au football, on a eu Beau Jackson. Basket, faudrait que je cherche. Carter Hart, Generation Next pour les Flyers de Philadelphie.
Ah, Bo Mamba, ça se peut-tu ça? Parce qu'il y a des spectateurs de basketball dans la place. Il me semble bien avoir rencontré. Ah, c'est Mo Bamba. Ou Bam Bam. Bo Mamba. Oh. Je pense que c'est Mo Bamba. J'ai une photo de lui en plus, avec lui, autographié. Yoli Portraits pour le Lightning de Tampa Bay. Ryan McDonough, ancien joueur du Canadien. Oui. On a fait cet échange de Ryan McDonough. Pour qui? Pour qui? Deux morceaux de robot, la personne qui me le dit. Qui avons obtenu, entre autres, pour les services. Ah ben Boswell, une deuxième ici. Young Gun, Canvas des frères Hughes. C'est original. Avoir eu deux propriétaires différents. J'aurais probablement offert un half and half. Mais, malheureusement. Bravo, mon Frank. Félicitations. Scott Gomez. Jack et Quinn. Je vous le répète, hein. 86-43. Repensez à ça. J'ai trouvé ça à ce soir. Je sais pas s'il y a une explication, là, mais je viens de le voir. Mais, hein. C'est sûr que là, il est plus là. Il est... Oh, on a une Young Gun Clear Cut. Young Gun Clear Cut derrière Quick. Alors, Young Gun Clear Cut ici. Qui va être la Young Gun Clear Cut? Allons voir, Young Gun Clear Cut. Allons-y tout doucement, tranquillement. Je prépare. Zeebo. Zach Randolph. C'est son surnom, ça, Zeebo? Alors, 1, 2, 3, on y va sans y aller, sans trop de vitesse. Ben pourquoi pas? Let's go! Terry Bluger! Trompette de sonnerie. Terry Bluger! Young Gun! Clear Cut! Pour les pingouins de Pittsburgh! Clear Cut! Jump around. Young Gun, Clear Cut, Teddy Bluger pour les Penguins de Pittsburgh. Bravo Kevin. Et pour ceux qui encore se posaient la question de la différence entre Clear Cut et Acetate, sachez que depuis 2016-17, le Clear Cut existe. Et en 17-18, le mot Clear Cut est apparu au dos des cartes, mais a subitement disparu pour 2021. Mystère. Alors bravo pour les pingouins de Pittsburgh. Young Gun, Clear Cut, Teddy Bluger. Ah ben je savais pas, Zeebo, son surnom. Mais il vient de où le beau de Zach Randolph? C'est peut-être son deuxième nom. Mystère. Pure Energy, Jacob Silverberg pour les Ducks d'Anaheim. Je savais pas. Je savais pas. Zach Randolph Bo. Il doit avoir une histoire derrière son Bo. La prochaine carte ici, nous avons une Young Gun Canvas pour les Kings. Je suis peut-être le seul qui se pose vraiment la question. Pour les Kings de Los Angeles de Stéphane. Et oui, pour les Kings. Ce n'est pas une Wayne Gretzky, toutes mes excuses, mais c'est quand même une Tobias Bjornfot. Young Gun Canvas. On dirait que lui, son nom de famille, on a échappé une couple de voyelles dans un bol d'alphabet et que ça a donné son nom de famille. Tobias Bjornfot pour les Kings de Los Angeles. Tiens, on va le mettre qui dépasse ici. Voilà. Tobias Bjornfot. Ben, intéressant à savoir. Mais. Ok. C'est-tu Mo Bamba? En passant, le joueur qui mesure comme 7 pieds. Je l'ai rencontré en personne quand j'étais à Orlando l'an dernier plutôt. Pour les Devils du New Jersey, on a une Young Gun de Jesper Borgqvist. Et lui, je sais que je me mélange tout le temps. Parce qu'il y a Jesper Borgqvist puis Adam Borgqvist. Je me suis déjà posé la question en plus si c'était des frères, puis je pense que je me suis jamais répondu. Alors, Jesper Borgqvist, Young Gun pour les Devils. Bol bol, ben oui.
Ben, tu sais que c'est le fils de. Oui, de Mobata, exactement. Exactement, c'est le fils à Mobata Ball. Probablement un des plus grands phénomènes que j'ai jamais vu en basketball professionnel. Jesper Borgqvist, par phénomène, je veux dire, qui était tellement grand, c'était épouvantable. Rappelez-vous la photo. Il y avait une photo de lui, de Manuta Ball avec. Comment il s'appelle? Ouais, en effet. Mais non, elle est identifiée aux Kings, mon Alex. Bel essai. Il y a eu, alors, comment il s'appelle le petit, là il était bon, puis. J'ai oublié son nom. Attendez, ça va me revenir après ça. Henrik Lundqvist, Yoli Portrets pour les Rangers de New York. Henrik Lundqvist. Ah, comment il s'appelle? Oui, Bol Bol, il est très grand, mais son père il était encore plus grand, si je ne me trompe pas. Je pense que. Manuta, il me semble qu'il était à 6 pieds 8. 7 pieds, excusez, 7 pieds 6. Écoutez, ah, pour les Rangers, désolé mon Stéphane. Pour les Rangers, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Oui, Muggsy Bogues, exactement. Muggsy Bogues, qui d'ailleurs, je tiens à le dire, a joué dans le film Space Jam avec Michael Jordan. Muggsy Bogues. Je sais pas s'ils l'ont choisi pour son nom de famille. Bugs Bunny. Ouf. Shooting Stars, Centers pour les Sabres de Buffalo, Jack Eichel. Mais oui, en effet, Muggsy Bogues avec les Hornets. Et Manu Tabol, une photo mémorable à jour dans Space Jam. Harlem. Oh, une autre Pure Energy ici, c'est Ryan O'Reilly pour les Blues de Saint-Louis. Un back-to-back de Pure. Ah non, c'est pas un back-to-back, excusez-moi. On l'a eu là pas très longtemps, mais pas back-to-back. À jouer, ouais. Oh ouais, il a joué dans Space Jam. Ouais. Welcome to the Space Jam. Canvas ici de Colin White pour les sénateurs d'Ottawa. Pour les sénateurs d'Ottawa. Colin White. On va juste pousser ça ici. Je vais pas nuire à la caméra. Il nous reste trois paquets de série 1. On est connecté, Marc-André. Hein? Les deux, on a dit la même chose qu'il a joué dans Space Jam. La prochaine ici, encore Mario Ferraro. Alors, un double pour les Sharks. Ma foi, si ça pouvait être écrit en choisissant les boîtes que c'était des patterns similaires, je pourrais faire plus attention. Mais malheureusement, c'est le pur hasard. Mario Ferraro pour les Sharks. Donc, Young Gun de Mario Ferraro. Il reste deux paquets de série 1. Allez, bah. Je l'ai réécouté, il n'y a pas si longtemps, Space Jam. Jack Eichel, Yoli Portrets pour les Sabres de Buffalo. L'équivalent, ben, je te dirais oui, mais non. Oui, mais non. Parce que c'est pas la même série. Patrick Roy pour le Colorado, qui, ma foi, a des super belles lunettes. Sûrement à la conquête de sa Coupe Stanley de 2001, hein, comme son chandail l'indique. Alors, insert Patrick Roy pour l'Avalanche du Colorado. 30e anniversaire. Donc, oui, ça lui ressemble parce que c'est ce qu'on appelle un subset. Le nom se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même série. Je pense qu'on se comprend là. Tout simplement qu'ils ont donné un nom similaire, mais c'est. Les Shining Stars ont arrêté, si je ne me trompe pas, en 16-17. Alors voilà. Comme ça. J'ai ouvert les deux scellés. On va laisser celle-là de côté. Mais au même titre que les deux sont des inserts, mais c'est pas une suite de l'autre. Probablement une pâle copie.
Alors, on y va pour les clear cuts. La première de deux, je la sens un peu pesante, celle-là. Je le savais pas, là, mais c'est peut-être mon intuition qui me trompe aussi. Alors, on y va. Une seule carte à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3. Oh, Otto Koivula, Black Amber Rookie. Et c'est pour les Islanders de New York. Est-ce que c'est numéroté? Je ne crois pas qu'elles sont numérotées, excusez-moi. Non, 19-20 clear cut. Donc, Rookie Black Amber pour les Islanders. Un petit coup. Otto Koivula. Black Amber Rookie. C'est cool parce que le paragraphe est gold. C'est vraiment bien. Belle carte ici. On va tasser Nino et Vitaly. On va les mettre ici à côté. Et ce qui est magique, c'est qu'il y en a une autre qui suit dans quelques instants. Alors, c'est juste pour vous remontrer à la vide. C'est fou, hein? Tout le monde qui s'acclame en arrière de nous. Allez, allez. Donc, on y va pour notre deuxième clear cut 19-20. Là, faut que ça frappe pour vrai. Let's go, let's go, let's go. On y va. Bonne chance à tout le monde. Une seule carte. Oh, pour les Red Wings de Détroit. Embedded Endorsement de Taro Heroes. Numéroté ici sur 99. Je vais me le permettre quand même pour les Red Wings. Taro Heroes, Rookie Embedded Endorsement sur 99. Bon, on n'ira pas plus loin. C'est un très bon, très belle carte, super, mais elle ne mérite pas l'acclamation complète. Donc, là, vous allez trancher. Vous allez trancher. Je veux y aller avec le choix. Est-ce qu'on y va avec la Black Diamond, qui depuis 2015-16 est considérée plus haut de gamme 2021, qui a seulement 6 cartes, ou on y va pour l'ouverture de la Black Diamond 2005-2006 et on garde le gros pour la fin? Non, malheureusement, Mathieu. C'est dommage. Mais au moins, quand même, deux joueurs recrues, quand même appréciés. La Black Amber est quand même un peu plus rare. Les Embedded sont numérotés. C'est quand même bien. Alors, je vous écoute. Je veux juste un peu votre opinion. 2021, ça, je présume que c'est celle que tu veux la prochaine et qu'on termine avec la 2005-2006. Je rappelle, 24 paquets de 5 cartes, des chances de frapper du Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Alors moi, écoutez, hein, Kev a décidé. Tiens mon Kev, toi qui as le gros bout du bâton. Ou plutôt, le pouvoir décisionnel. Tu es le seul à t'être prononcé et on va aller faire le Black Diamond 2021. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Black Diamond, Baldwin ici. Anciennement deux paquets, maintenant juste un. Ils ont combiné ça dans le même. Et je vous le dis, c'est quand même assez épais. J'en ai ouvert quelques-unes récemment, puis c'est rare que c'est épais comme ça. Alors, on va aller jeter un œil à ça. Allons-y, allons-y. Avec le decoy de la chance, signé stack.ca. Ouais, il y a des choses, il y a des choses. Des choses intéressantes d'après moi ici. Alors, on y va. Paquet vide. Alors, la première carte ici, je m'emmène quelques sleeves de protection. Alors, la première, le joueur qui vient d'être déclaré fini pour la fin de la saison, Artemi Panarin, dû au charmant et sympathique Tom Wilson. Ouais. Alors, Artemi Panarin sur 349 pour les Rangers de Sammy. Artemi Panarin.
La prochaine, je vais juste avancer ici. Voilà, là je suis plus à l'aise. La prochaine carte ici. Oh, oh, ça va faire du bien ça. Boom! Oh, pour l'avalanche, Bowen Byram. Wow, patch, 3 couleurs, Diamond Debut, Relics, autographe sur 25. Félicitations à Kevin! Diamond Debut Relics! Ici la 4 de 25. Owen Byram. Je vais aller chercher juste un petit team bag. Ouais. C'était la toune de but pour l'avalanche du Colorado. Est-ce que tu me permets, mon Kevin, de faire une autre célébration? Je vais montrer à tout le monde comment que Colorado est capable de festoyer comme vrai. Alors, je vous mets la chanson du Colorado. Certains la connaissent déjà. Alors, deuxième célébration pour Bowen Byram. Sur 25, Bowen Byram. Patch, 3 couleurs. Félicitations à Kevin pour l'avalanche chez Bowen Byram. Oh que oui, le pouvoir des Rockies. La prochaine carte, tout de suite, on enchaîne avec les Kings de Los Angeles. Team Logo Jumbo, Gabe Vilardi. Alors, Team Logo Jumbo pour les Kings. Gabe Vilardi. Belle carte ici pour les Kings. Le bas du crest, je sais que c'est pas le vrai crest. À peine gossant. Nah. C'est mon hymne maintenant, mon Kev. Gabe Vilardi, Team Logo Jumbo, rookie card pour les Kings de Los Angeles. La prochaine ici. On y va pour le Lightning de Tampa Bay. Andrei Vasilevsky, Relic. Alors, Diamond Mine Relic de Andrei Vasilevsky pour le Lightning de Tampa Bay. De Carl. Et voilà mon Carl pour le Lightning. Diamond Mine Relics. Prochaine carte ici. On va-tu avec ça? Oh, on va aller avec celle-là. Et on fait un tour à Montréal. Rookie Gems. Jack Evans. Faut-tu dire Jack ou Jake? Je vais dire Jake. Non, c'est pas la bonne sleeve ça ici. Jack, Jake, Evans pour le Canadien de Montréal. Jack Evans. Voilà. Rookie Gems sur 399 pour le Canadien. Félicitations au Canadien. Oui, on va l'accoter ici à côté de Gabe. Et notre dernière carte, et non la moindre, qui est pour... je ne sais pas encore. Mais pour une Exquisite Collection, la sixième carte de ce paquet. Oh, Exquisite Collection de Dylan Cousins pour les Sabres de Buffalo. Alors, félicitations, Jonathan. Alors, mon Jonathan, tu as une Dylan Cousins Exquisite Performers sur 199. 199 à 166 de 199. Exquisite Performers. Bravo. Pour les Sabres de Buffalo. Alors, je vais juste faire un peu de place ici. Parce que la prochaine boîte en prend un peu. On va tasser ça comme ça et on va mettre la clear-cut ici. Derrière. Et voilà, Teddy. Come on, Teddy. Et la prochaine boîte ici. La dernière de ce break. Notre belle Black Diamond. 2005-2006. Le moment tant attendu. Et je tiens juste à vous dire une chose, OK? Soyez pas surpris, OK? C'est des produits qui datent déjà de 15 ans. Alors, des fois,
Bon, la publicité est un peu passée date aussi, mais je vous avise parce que des fois, les paquets sont un peu collés. Fait que c'est normal. Et l'autre chose, c'est pas parce qu'une carte n'est pas autographiée ou qu'elle n'a pas de jersey qu'elle nécessairement ne vaut rien. Alors, quand vous allez voir, si vous voyez une carte recrue de Sidney Crosby avec 4 diamants, ben des faux diamants, mais disons juste le signe de Black Diamond comme ça, dites-vous que ça paraît de rien, mais la carte peut valoir quelques centaines de dollars. Alors, on garde l'esprit ouvert. C'est très recherché comme produit étant donné la rareté. Et je vous souhaite à toutes et à tous la plus grande des chances. Je vous avoue que c'est ma première. La première fois que j'ouvre de cette boîte. Alors, 2005-2006, j'en ai jamais ouvert. Et ça part mal parce qu'il fait peur, Steve Routchin. Mais on y va. Alors, normalement, ça, c'est les bases. On devrait avoir bien identifié les cartes qui sont des recrues. Comme celle-ci, considérée une carte de diamant. Steve Yzerman, 4 Diamond. Alors, 4 Diamond ici, Steve Yzerman. Pas mal certain que ces cartes-là étaient comme la suite ou la continuité du base set. Et si jamais vous voyez des fois une couleur que je passe de côté, n'hésitez pas à me le dire des fois avec mes merveilleux yeux de daltonien, j'ai tendance à passer un peu à côté. Alors, il y a un decoy, wouhou! Riku Hall, c'était-tu un joueur ça? Ça a l'air que oui, et Martin Brodeur. Alors, vous comprenez un peu le concept avec le premier paquet, les bases ici, des 1 diamant. Mais quand vous voyez plus d'un diamant, généralement, c'est une carte du set continu. Et si jamais c'est une carte de recrue, vous allez voir, quand on va voir la première, ça va être indiqué. Ah, ça colle. Dans ce temps-là, il mettait de la colle. De la vraie colle. OK. Hey, Gary Roberts. My God. Long time no see, Gary. Prochain ici, Chris Pronger, dans le temps qu'il jouait. Oh, bonus reward! Ça doit être échu un peu. Jamie Lundmark. On a ici Wade Redden, que j'ai beaucoup apprécié du temps qu'il jouait avec Ottawa, et Nick Boynton. Alors, je vais faire un retour de toute façon à la fin sur chacune des cartes pour être certain que... qu'on doit les envoyer, mais écoutez, il y a des bonnes chances aussi que si jamais vous voulez des cartes particulières de votre équipe, faites juste signe. C'est des cartes tellement qui datent d'il y a longtemps que ça va me faire un grand plaisir de vous les trier et vous les envoyer. Alors, Brad Stewart. Oh, ici, on a une marque Denis. Marque Denis pour le Blue Jackets. Blue Jackets. C'est une 2 diamants. Hey, un grand merci, hein, j'ai passé tout droit. Tu vois, c'était un test. Hey, t'as bien raison. Hey, un grand merci. Gros, gros merci. On se refait les yeux. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de ces produits-là. Dernière fois, j'ai ouvert une boîte de Black Diamond comme ça. C'était une 14-15. Alors tiens, on va mettre la Chris Pronger ici. Ah ben oui, 114. Alors voilà, on va aller ici. On continue. Oh. Merci mon François. Dame a été légèrement plus rapide. Merci. Si j'en ai passé une autre, n'hésitez pas à me le dire. Jeff O'Neill. On a ici une 3 diamants. Danny Heatley. Des Sénateurs d'Ottawa. Danny Heatley. Je sais plus c'est quoi la quantité exacte de rookies qu'il y a dans une boîte. Je pense que c'est 5 ou 6. Un petit blanc de mémoire. Alors, Danny Heatley pour les Sénateurs d'Ottawa. On continue avec le restant du paquet. Des rewards. Hey, Mike Greer. Brandon Morrow et Simon Gagné. Des fois, il y a des reflets là, comme ça. Là, on dirait qu'il y a de couleur, hein? Et je dis pas ça à cause du visage, mais on dirait qu'elle est jaune. Fait que si jamais les couleurs sont différentes pour une raison et que je la passe, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît.
Et on continue. Jeff O'Neill, Chris Chelios, Frédéric Modine. Il était bon en Modine. Sergei Zubov, que je prenais tout le temps dans mes poules quand j'étais plus jeune. Une. J'en fais un mini retour. Ça fait mes yeux m'ont joué un tour. On y va, on continue. On devrait avoir bientôt une carte recrue. On va se croiser les doigts pour que ça en soit une excellente. Oh, la Disla, lui aussi, je le prenais souvent dans mes poules. Dan Cloutier. Patrick Eliash. Ici, deux diamants. Patrick Eliash. Quand même né en 76. Vient de prendre sa retraite, lui, ça fait pas très longtemps. Patrick Eliash pour les Devils du New Jersey. Quasiment tout le temps joué là, en plus. Milan Kraft. Milan Kraft. Rod Brind'Amour et Alan McCauley. Semble être des bases. Zubov va être Gunshar, en effet. Et Lidstrom aussi. Vraiment, Lidstrom était un candidat assez rapide à sortir. Et Vishnovski aussi était un bon candidat. Chara, quand il était plus jeune. Dovanovski. Earn points. Thomas Vokon. J'essaie de le prononcer comme l'animateur Pierre. J'oublie toujours son nom de famille. Comment je fais pour oublier son nom de famille, Pierre? Pierre. Voyons. Pierre. Seigneur. Ma mémoire me joue des tours. Désolé tout le monde. Pierre. C'est quoi son nom? Oud. Ouf. Je l'ai eu. Dominique. Non. Martin Biron. Oh! Première rookie ici pour les Bruins. De Kevin Dahlman. Kevin Dahlman. C'était un test. Rookie Gems. Kevin Dahlman pour les Bruins. Voilà pour les Bruins. Première recrue ici. Rookie Gems. Kevin Dahlman pour les Bruins. Quelqu'un va se faire beaucoup de points ici ce soir. Rick Stahl, Ty Conklin et... Oh, Richard Zednik. Ouh! Premier figurant du Canadien en passé. On continue. Prochain Packer. Oh, quel joueur. Nikolaj Zerdev. Sean McEachern. Ryan Smith. On a une Milan Hajduk. De l'Avalanche du Colorado. Et Milan Hajduk. Lui a été très, très, très bon. Donc, Milan Hajduk, deux diamants pour le Colorado. Dustin Brown, Mark Parrish et Nikolaj Zerdev. C'est excitant. Let's go. Il peut vraiment avoir des hits très solides. Il peut avoir des autographes, il peut avoir des patchs. Scott Niedermayer, McCarthy, Olli Jokinen. Oh, on a quelque chose d'intéressant ici qui s'en vient. On a une carte intéressante. Après Philippe Kuba, nous avons une Owen Nolan. Nice, Owen Nolan pour les Maple Leafs de Toronto. Tiens, je vous la remontre ici. Owen Nolan pour les Maple Leafs de Toronto. Authentic Game Used. Pour les Maple Leafs. Voilà, on met ça ici. Et dans un upload. Alors, Owen Nolan pour Toronto. Bravo, je vais juste aller chercher un petit team bag. C'est pas que la carte ait tant de valeur, mais je commence à être un peu à court de upload. Alors, je dois recycler et malheureusement, j'utilise un 100 qui est une petite affaire trop grosse. Alors, pour Toronto, je veux juste m'assurer que ta carte ne tombe pas. Alors, mon Kevin, voilà.
Owen Nolan, jersey pour Toronto. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mike Comrie et Jason Smith. Juste revalider que j'ai pas passé. Voilà. Non. On continue. T'as encore ces jeux de mots, mon Kev. Oh, Jere Littinen. On a une Brandon Shanahan ici. Pour aller avec la Steve Eiserman. Alors, Brandon Shanahan. Ici, 3 diamants pour les Red Wings. Salut mon Pascal. Salut, salut. On va peut-être voir des bretoles passer. On sait jamais. Marco Sturm, Justin Williams et Jere Littinen. Comment qui va, mon Pascal? Hey, ça me rappelle tellement de souvenirs de voir tous ces noms-là. Wow! Patrick Lalime. Ryan Malone. La prochaine ici. Darian Hatcher. Darian Hatcher. Lui, il a accepté de se faire poser de proche. Marc Savard. Lui, il a tellement été tout le temps blessé. C'était incroyable. Pour lui. Marc Savard. Ça va super, merci beaucoup. T'arrives au moment où on ouvre notre boîte de 2005-2006 Black Diamond. Brad Stewart. Oh, Manny Lagacé. La première fois, ou ma première année que j'ai vraiment gagné et dominé un pool, c'était la meilleure année de Manny Lagacé. Je crois que c'était en 2006. Je sais même pas pourquoi je la mets dans un top 10. Parce que, hein, Manny Lagacé, pour moi, c'était un bon gardien. Voilà, cadeau dans un top 10. Voilà, Brandon Witt, Dave Andrechuk et Brandon Morrison. Manny Lagacé, c'en est un là, qui n'a pas eu, disons, une carrière de 20 saisons. Là, hein. Oh! Ty Domi! Jeff O'Neill, Chris Chilios et une Frédéric Modine. Encore Frédéric Modine. Steve Sullivan, un autre pack avec juste des single diamonds et Ty Domi. Hey, Ty Domi. My God. Une. Je vais les revalider nécessairement à la fin. Hein. Je me rappelle parce que des fois. Des cartes qu'on n'a pas vues souvent. Il y a des petits signes distinctifs qui sont à des endroits. Oh, Jocelyn Thibault pour les Pingouins. Wow! Excusez, Sean McEachern. On a une rookie. Et une rookie cette fois-ci. Brent Seabrook pour les Blackhawks de Chicago. Brent Seabrook, Rookie Gems. Alors, pour les Blackhawks de Mathieu. Brent Seabrook. Voilà. Alors, Rookie Gems. Je crois qu'en plus, cette année, il vient juste d'annoncer sa retraite. Voilà. Donc, Brent Seabrook. Rookie Gems. Okay, pas mal de reflets, étant donné que c'est du Black Diamond. Brent Seabrook. 3 diamants pour les... Tiens, on va la mettre ici. On va la coter comme ça. Taro. Puis lui, on va le mettre là. Brent Seabrook. On continue. Jordan Leopold, Dwayne Rollinson et Stephen Weiss. Brent Seabrook. Alors, c'était notre deuxième recrue. On continue. Encore Frédéric Modine. Non, Jocelyn Thibault, pourquoi pas? Oh, est-ce qu'on a une couleur, une parallèle ici? J'ai vu Rookie de mémoire. Rookie. Est-ce que c'est une Rookie? Non, c'est pas une Rookie, mais c'est une Martin Lapointe. Est-ce que c'est une rouge? Parallèle rouge de Martin Lapointe. Et c'est numéroté sur 100. La 50 de 100.
pour les Blackhawks de Mathieu. Martin Lapointe. Ça aussi, c'est un nom que je pensais pas une fois appelé dans un break. Alors, Martin Lapointe, Red Parallèle pour les Blackhawks. Et étant donné que c'est quand même très rare, ben, on va se gâter, juste deux petites secondes. Alors, pour les Blackhawks, une belle Martin Lapointe sur 50, sur 100. Tiens, ah ouais, donc. Juste pour le plaisir de l'entendre, pour les Blackhawks, Brent Seabrook et Martin Lapointe. Un beau duo pour les Blackhawks de Chicago ici. On va mettre ça comme ça ici. OK! On l'a coupé. Alors, on continue parce qu'il nous reste encore quelques paquets. Je crois qu'on est en à 8. 8 paquets. On avait donc la merveilleuse Martin Lapointe. On continue. Sergei Samsonov pour les Bruins de Boston. Je remarque plusieurs bases qui reviennent souvent. Alors, Sergei Samsonov, avant qu'il joue pour le Canadien, avec les Bruins de Boston. Prochain paquet. Allez. Oh, Brandon Morrow. My God. Ça fait longtemps, lui, ici, qu'on l'a pas vu. Ed Jovanovski. Martin Biron. Steve Ruchin. Dans le premier paquet, hein, il était là. On a une Mike Greer et Brandon Morrow. Alors, je commence un peu à m'habituer. Captain commence à revenir en double. Brian Rolston. Kari Lehtonen. Lui a été assez convoité par plusieurs dans les poules de hockey. Kari Lehtonen. Triple Diamond pour les Jets. De Winnipeg, oui, oui, la franchise des Thrashers d'Atlanta qui est passée aux Jets de Winnipeg il y a de cela quelques années. Là, je suis bientôt à court de ce livre, il va falloir que je me lève à en chercher. Allons-y. Gary Roberts, Philippe Sauvé et Pascal Dupuis. Et derrière Pascal Dupuis, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ryan Sutter, Rookie Gems! Oh, pour Nashville! Oh, Eric Dazé, mon Dieu, je l'ai aimé, lui. Oh, Rookie Gems! Ryan Sutter pour les Preds de Nashville, de Carl. Hey, j'ai jamais entendu la sonnerie des Prédateurs. On y va! It's ta boy! Je m'attendais à ça. Pour Nashville, Ryan Sutter, Rookie Gems, Quad Diamond. Et je vous laisse sous les feux de la rampe en quelques instants pour aller chercher des sleeves. Ok, oui. C'est donc une belle carte ici pour les Prédateurs de Nashville. Ryan Sutter. Alors voilà Ryan Sutter que je vais mettre aux côtés de Martin Lapointe. Bon. On continue, il nous reste 1, 2, 3, 4 paquets, let's go. Est-ce qu'on va avoir une Crosby ou une Ovechkin, s'il vous plaît? Come on, come on. On y va. Adrien au coin. Oh, Al McInnes. Le champion de la frappe. Souvent vainqueur du lancer le plus puissant. Dans le match des étoiles.
Hal McInnes, et c'est pour les Blues de Saint-Louis. Allez, allez, allez. Ty Conklin. Que j'appelais tout gentiment Ty Conklin quand j'étais plus jeune. Et derrière ici, on a une autre jersey. Elle est pour les Panthers de la Floride. Il s'agit de Olli Jokinen. Un autre joueur très très convoité dans les pools des années fin 2000. Olli Jokinen pour les Panthers. Lui ici va devoir faire un tour dans un team bag comme ça. Pour assurer sa protection. On y va. Alors ici, Olli Jokinen, Black Diamond Jersey. Pour les Panthers de la Floride. Si je ne me trompe pas, les Panthers de la Floride appartiennent à Florence. Félicitations, Florence. On continue. Eric Staal et Ty Conklin. Il nous reste deux paquets. L'avant-dernier paquet. On y va. Oh, on a une recrue et il est un gardien de but. Peter Budaj. Rookie Gems. Oh, pour l'Avalanche du Colorado, Peter Budaj. Et mon Kev, je le sais que t'es là puis que tu vois Peter Budaj et que tu ne pourras pas t'empêcher d'écrire le fameux B-O-U-T espace D-A-I-L Budaj. Rookie Gems Triple Diamond pour l'Avalanche du Colorado. Voilà. Hopperdeck, Richard Zadnik est de retour, Riku Hall et Martin Brodeur. Et on arrive à notre dernier paquet, s'il vous plaît. Dernier paquet, on veut du mojo. On veut quelque chose. Peter. Je suis pas pire, je te connais bien. Oh, on a une carte rouge ici derrière. Qu'est-ce qui pourrait être rouge comme ça, hein? Jamie Lundmark et Wade Redden. Ça finirait bien. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir de rouge et d'intéressant derrière? Lubomir Vishvanovski. J'ai massacré son nom un peu. Alors, on va tourner ça de côté. Alors, qui dit rouge dit Red Wings. Boom! Ok, oui! Gemography Mr. Hockey! Wow! Oh my god! Mr. Hockey, Gordie Howe! Boom! Oh my god! Holy blah blah! Okay, we! Mr. Hockey! Numéroté 14 sur 50! Oh my god! Boom! Oh oh! Je reviens! On repart la toune! Pas plus d'amour que ça. Come on, qui a les Red Wings? C'est Carl. Et seulement pour l'honneur d'avoir la carte, je vous dis, peu importe sa valeur, pour moi, ça en a beaucoup plus. Une Gordie Howe, Mr. Hockey. Last Pack Mojo. Félicitations à Carl pour la Gordie Howe.
Écoutez, je crois que c'est ce qui met fin à un break, mais de belle façon. Au-delà de la valeur, je vous confirme quelque chose. C'était toute une carte inattendue. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est wow. Qu'en dites-vous, hein? Oh, mais hein? Oh, que oui, mon Stéphane. En passant, salut Stéphane, long time no see. Belle façon de te rencontrer depuis un bout. Alors, on va faire un petit recap. Quand même, plusieurs cartes qui méritent d'être soulevées dans ce break spécial diamant. Peter Budaj, une belle Jersey Olli Jokinen, Manny Lagacy, Owen Nolan, Steve Yzerman, ici Steve Yzerman, Kevin Dahlman pour les Bruins de Boston, Brian Pilling, Young Gun, Tobias Bjornfot pour les Kings, Exquisite Performers, Dylan Cousins sur 199, Rookie Gems, Jack Evans pour Montréal, pour les Kings, Gabe Villardy, Team Logo Jumbo, Andrei Vasilevsky, Diamond Mine Relic, pour le Lightning, Artemi Panarin pour les Rangers, Vitaly Abramov pour les Sénateurs d'Ottawa, Nino Niederreiter sur 100 exclusives base, Mario Ferraro, allons tout de suite chercher la deuxième. Et oui, voilà. Ça, je vais mettre ça là. Alors, Mario Ferraro, deux fois Young Gun pour les Sharks. Rudolf Balsers, Young Gun. Joachim Nygaard, Young Gun. Jesper Bogvist, Young Gun. Trent Frederick, excusez, je suis beau. Trent Frederick, ici pour les Bruins de Boston. Deux fois Young Gun. Checklist des frères Hughes, je vous rappelle, hein, 86-43. Ça porte à confusion, hein? Yuli Game Jersey, Andy Kopitar, Joël L'Espérance, Young Gun, Brandon Gignac, Young Gun, Martin Fervary pour les Caps de Washington, Teddy Bluger, Clear Cut, Young Gun, Pittsburgh, Martin Lapointe, Red, parallèle sur 100 pour les Blackhawks, suivi d'une Brent Seabrook, Triple Diamond, Ryan Sutter, Quad Diamond, Rookie Gems, pour les Preds de Nashville, Black Ember Rookie, Otto Koivula, Embedded Endorsement, Taro Irose sur 99 autographes, Bowen Byram, Diamond Debut Relics pour l'Avalanche du Colorado sur 25, et à mon avis, peu importe sa valeur, le hit de ce break qui mérite toute l'attention. Félicitations aux Red Wings! Pour Mr. Hockey, Gordie Howe, Jamography. Pour les Red Wings de Détroit, qui est ici numéroté 14 sur 50. Alors, félicitations à Carl. Oui, Carl, excuse-moi, j'étais obnubilé par la carte. Je la trouve tellement belle, je me suis excusé, hein. Alors, j'étais dans ma bulle et c'est bel et bien une vraie carte autographiée de Mr. Hockey lui-même, Gordie Howe. Bravo! Et c'est ce qui met fin à ce break numéro 36, ma foi, des diamants. On en a eu quelques-uns. Hein, faut bien en voir de temps en temps des diamants. C'est toujours intéressant. Alors, s'il y a quelques femmes avec nous, je suis certain que vous êtes heureuses aussi de recevoir des fois des diamants. Donc, si jamais vos chums sont là, ben, je vous acheter des diamants. C'est beau. Alors, je vous encourage à venir nous encourager encore. Encourager. Les breaks numéro 41-47 hockey sont toujours en cours. On a baseball 48 que je vous ai posté un petit peu tôt ce matin. Football, allez-y. Il faut y donner une chance. 32 spots pour une des équipes de la NFL. Et on a du basket break numéro 47, je crois. 46, exactement. Alors, un grand merci à tout le monde. Félicitations à tous ceux qui ont eu de très belles cartes. Je souhaite de passer une bonne fin de soirée. Je reviens live dans 3-4 minutes pour le personal box de MAD3M. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.